Encore, aujourd'hui, on va parler d'un symptôme très fréquent. C'est un motif de consultation, que ce soit en consultation pédiatrique ou là aux urgences. Donc, à chaque, classiquement, on faisait des topos à propos d'une maladie particulière. Donc, aujourd'hui, on a introduit depuis d'ailleurs 2 années, Kahao, ce cours-là, qui va traiter un symptôme assez fréquent. C'est une méthode qui s'approche beaucoup à votre pratique quotidienne. Si vous allez être bientôt, tantôt ma troisième ou la quatrième, troisième, vous allez bientôt être confronté à des gardes en tant qu'interne, en tant qu'externe, interne, Inch'Allah, des résidents. Donc, vous allez recevoir un patient qui va se plaindre, non pas, il ne va pas apporter la maladie, il va apporter un symptôme. Et le symptôme qu'on a préféré introduire et en parler aujourd'hui en pathologie osteo-articulaire, c'est la boiterie de l'enfant. D'accord? Donc, l'objectif de l'apprentissage de ce jour, c'est de savoir quels sont les moyens d'exploration d'une boiterie. Si un enfant se présente pour une boiterie, quel réflexe nous allons voir à demander, quel examen à demander le premier, en second, et quelle est la stratégie qui va nous aboutir au diagnostic de la pathologie pour savoir la traiter, d'accord? Donc, le premier objectif de c'était les moyens d'exploration qu'on connaît, qu'on dispose pour l'exploration de ce symptôme assez fréquent qui est la boiterie. Le deuxième objectif, c'est de citer de reconnaître les principales étiologies d'une boiterie chez l'enfant et ceci en fonction de l'âge. S'il vous plaît, évitez d'être près l'un près de l'autre. Voilà, respectez les 1,5 m distanciation. Le troisième objectif, de savoir établir une stratégie, d'exploration d'une boiterie chez l'enfant, qui est un motif d'un tchoufou très fréquent de consultation. Donc, ça doit être clair dans votre tête. Un enfant se présente pour une boiterie, savoir quoi chercher comme signe clinique à côté de sa boiterie, quels sont les examens à pratiquer. Et puis, on va essayer de détailler, d'expliquer la sémiologie radiologique des principales étiologies de la boiterie. Est-ce que c'est clair là? Donc, pour ceci, on a proposé à partir de cas cliniques, on va parler des principales étiologies des boiteries de l'enfant. D'accord? Le premier cas, il s'agit d'un enfant de 12 ans d'origine rurale qui se présente aux consultations pour une inégalité des membres. L'homme dit qu'il est très sérieux, mais pas de bâton. Il y a une inégalité de membres. C'est un motif de consultation. Mais cette inégalité des membres n'est pas douloureuse. L'enfant de 12 ans ne se plaint pas de douleur. Mais il a une boiterie, il a un membre plus court qu'un autre. D'accord? Wava. D'après vous, à 12 ans, un enfant qui boite, il a un membre plus long qu'un autre. Il n'a pas mal. Quelles sont les principales étiologies et les tarifs? En tant qu'étudiant en troisième année, tarifs, une pathologie, tatina boiterie, oui, amuse douloureuse. Un plus sceptique. Pardon? Luxation congénitale de l'hanche et un plus sceptique. Très bien. Donc, l'une de vos camarades, elle a dit arthrite sceptique et luxation congénitale de hanche. Qu'est-ce qui est contre l'arthrite sceptique? La douleur, l'absence de douleur. Et la luxation congénitale d'hanche à 12 ans, c'est un peu tardif, mais on va essayer de voir. Pour aboutir au diagnostic, à quel examen pensez-vous à pratiquer? Radio standard de la hanche. Très bien. On va commencer par
l'examen de première intention le plus disponible, le moins coûteux et qui donne une idée sur le squelette osseux, d'accord? Qui est la radiographie du bassin. La radiographie du bassin, on dit que le mode de face, le bassin, il est toujours de face. Mais qui n'est pas radiographie de la hanche, femme radio de la hanche de face et de profil. Vous êtes la femme à le profil, dites ça, ma de lequel, d'accord? Donc, on va comment? Les hypothèses diagnostiques, on a le LCH, on a l'arthrite sceptique, je n'en ai les deux autres, je m'en ramoufie. Ils ont comme l'ostéomyélite. Manque la pathologie infectieuse qui est l'ostéoarthrite, qui est l'ostéomyélite, on peut appeler pathologie infectieuse. Il y a deux autres diagnostics à 12 ans, je m'en 12 ans. Très bien, l'épiphysiolyse de la tête fémorale, ou je n'ai pas l'autre. قالت ها صاحبتكم لوتوميلين انت ما تقعدش بحدا صحابك عايش ولدي اجا القدام ريسبكتي لي ميزور دو ديستانسياسيون واش بيكم اكثر من 10 سامحوني كلكم تحبوا تحضروا حتى انت يا ما تقعدش بحذاها هاو القدام هو يقعد غادي وانت تقعد هوني جو سوي صراحه برشا وليت وراك خايفه عليكم انا راني مرض ونعرف دو كوا إل ساجي فرحكم ما يفو ريسبكتي انت من الجروب احضر اون واحد اون فيديو فما ليست نتاع ديسيزيون مدام اللي باش يحضروا اليوم دونك تنجم تتصرف اذا نومر برشا ولا ولات ما فهمتش اللي ميجر دي بروتكسيون نعم شنو سامحوني ما ليست نتاع ديسيزيون اليوم انا نورمالمون 10 اي فوالا انا جو دوا مو كونسيرني لي ليست انا نقبل زوز ولا ثلاثه اما برشا راهو سي با بيان انا بدي راهو صافي دو سيمين معناتها اللي انا مرضت وتوا جو متشا ا ديستانس بوتيتر كو جو سيل ما بي سي ار لي اونكور بوزيتيف دونك نخاف عليكم باهي وبالحق راهو الكوفيد سي با اون مالادي سامبل سي با كيك شوز دو بانال راه داكوغ ان شاء الله لاباس اما مشني بالعاني نتشمت فيكم ولا حاجه راهو يفو ريسبكتي لي ميزور دو ديستانسياسيون داكور دونك قلنا ليبيفيزيوليز ال سي اتش لارتريت سيبتيك ولوستيوميليت معاها وليبيفيزيوليز حاجه اخرى رابعه لازم نعرفو ما نخرجوا اليوم من هنا نعرفوا الاربعه لوستيو دو كونتري دي سيكون داكور اي بور كومونسي اون فا دوموندي اون راديوغرافي du bassin. Pourquoi? C'est un examen de première intention, il n'est pas coûteux, il est disponible et il offre des renseignements sur l'articulation du bassin, d'accord? Madame? Oui. Madame, je n'ai pas le quatrième diagnostic, mais ce matin. L'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, d'accord? D'accord, merci. L'ostéochondrite disséquante. Donc, résumant, il s'agit d'une inégalité des membres. On va voir, est-ce qu'elle est constitutionnelle ou c'est qu'elle l'air d'une pathologie acquise à l'âge néonatal ou au bas âge? On va penser à essentiellement à la luxation de la hanche négligée dans ce cas. Alors, on est très tardif. L'épiphysiolyse est un diagnostic à évoquer, mais, l'élément contre, c'est l'absence de douleur. D'accord? On n'a pas évoqué l'arthrite parce qu'il n'y a pas de fièvre. D'accord? Il n'y a pas de douleur. Donc, quels sont les examens, on a dit tout à l'heure, la radiographie du bassin et éventuellement une radiographie de la hanche droite de profil. Voici la radiographie du bassin de face de cet enfant. Qu'en pensez-vous? Allez. تسمعوا فيا؟ ال سي اش مدام ما نحبش الدياغنوستيك شنو هي الانوماليت راهو فيها سيغ سيت راديو
شبيه على تيت فيمورال دروات لوكساسيون صحيح دو لي اكسنتري بارابور ا شنو هو pour savoir les son positionnement qu'il est pathologique تعرفوش شنو لي اوتيل نستعملو ايوا il faut faire la reconstruction d'Amberdac شنو لا قبل لا reconstruction d'Amberdac تاع شوفو لا تيت فيمورال حاجه اخرى ريتوها فماش كون راه حاجه اخرى بخلاف لا position anormale de la tête fémorale droite فما une solution de continuité تاع شنو فماش solution de continuité Et dis-moi le réflexe, c'est simple lorsqu'on a un organe pair en radiologie. Il suffit de comparer les deux côtés. On a deux poumons, on carne les deux poumons. On a deux reins, on carne deux reins. On a deux os iliaques, on carne deux os iliaques. Deux têtes fémorales, on carne deux côtés, on carne. Qui carne les différents éléments, je ne sais pas. Les têtes fémorales, excentrées. Il y en a avec vous, hein? Chnou R. Il y a mouchou kif kif. Il y a anormal. L'os iliaque droite plus bas situé. Très bien. Que le cotyle, le fond du cotyle, d'accord? Regardez comment il est. Là, il a une forme de sphère, il est bien creusé, il couvre bien la tête. Alors que le cotyle droit, il est choukouloulou, qui a le mouche mal creusé. Je ne sais pas où, c'est le cours. Il y a une dysplasie cotyloïdienne, d'accord? On a rejoint la reconstruction d'Amberdac. Donc, pour savoir la position de la tête, il faut pratiquer ce qu'on appelle la reconstruction d'Amberdac. Je n'ai pas la reconstruction d'Amberdac. Donc, on trace la ligne parallèle au cartilage en Y. Je n'ai pas le cartilage en Y. Et tout ça, c'est la ligne. Le cartilage transparent, c'est le cartilage en Y. Y, c'est le corps, c'est le Y. Les deux bras du Y, hein? Le cartilage en Y, donc on trace la ligne joignant le cartilage en Y de l'os iliaque, d'accord? Et puis on trace la perpendiculaire à cette ligne passant tangentiellement au toit du cotyle, d'accord? C'est clair? Une ligne horizontale joignant le cartilage en Y, voilà tout le cas. De la stabilo, et puis une ligne perpendiculaire à cette ligne, mais qui passe tangentiellement ou d'une façon tangente au toit du cotyle, au bord externe du cotyle. Donc, on va obtenir quatre cadrans, deux cadrans supérieurs et deux cadrans inférieurs, deux cadrans internes et donc deux cadrans externes. Donc, théoriquement, le noyau épiphysaire doit se projeter sur un cadran interne. D'accord? Ici, le noyau épiphysaire, il se projette sur le cadran supéro-externe carrément. D'accord? Donc, il est luxé et jeté en dehors. Allez, elle n'est pas couverte par l'os iliaque. Donc, on est là devant une luxation congénitale de la hanche. Là, elle est ancienne, elle est négligée d'être ça, d'accord? Donc, le noyau épiphysaire à droite, il est ascensionné et éjecté en dehors. Et gardez cet aspect dysplasique mal creusé, d'accord? De ce cotyle droit. Donc, le diagnostic retenu de la hanche, diagnostic tardivement, c'est-à-dire c'est une LCH négligée. B. Sachez que une LCH négligée
est très coûteux sur le plan morbidité. C'est une source d'handicap moteur et disgracieux, d'accord? Donc, mais diagnostiquer attendu de façon précoce, elle ne nécessite pas de diagnostic, de traitement chirurgical et elle va évaluer à la restitution intégrale, une fois diagnostiqué à temps. Une fois négligé, sans traitement, il doit être un traitement chirurgical très lourd, sans des reprises et des reprises pour remettre la tête et pour la reconstruction d'un nouveau acétabulum, d'un nouveau cotyle. Donc, c'est un traitement chirurgical très lourd avec un pronostic très sombre sur le plan morbidité et fonctionnalité, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'il est très important de faire le diagnostic à temps de luxation congénitale de la hanche. Pour cela, il faut savoir, je nomme les facteurs de risque d'une luxation congénitale de la hanche et comment faire le diagnostic à la naissance. D'accord? C'est simple. D'abord par l'examen clinique. Une fois l'examen clinique, il est douteux, on peut savoir qu'est-ce qu'on doit demander. Tout à l'heure, on va en parler. Hein? D'accord? Donc, on aurait diagnostiqué cette pathologie à l'âge néonatal parce que traitée précocement, elle aboutit à la restitution ad integrum sans séquelles. Donc, et on va parler du dépistage de la luxation congénitale de l'ange. Sachez que le dépistage, il est facile à la naissance, par l'examen clinique et par la recherche. Amal tout stage pédiatrie, néonat. Je connais même comment amal néonat. Fama hatta wahed, baqritou hecha, néonat. بالكل في الاورثوبيدي ما قريتوهاش في الاورثوبيدي قريتوها شنو هي لا مانوفر كلينيك اللي نستعمل دورتولاني لا ريشيرش كون لابيل لو روسو لو تيك لو روسو ستادير لا سورتي دو لا تيت او مومون ان دو لا مانوفر دي لامي كون فا ايسيي دو فير سورتير لا تيت دي كون اونتون سو تيك سو روسو c'est que c'est une tête qui n'est pas stable, elle est luxable, elle est probablement luxée et qu'il faut savoir compléter la démarche diagnostique. Donc, l'examen clinique, il est pratiqué à la naissance. C'est un examen utilisant la manœuvre de Barlow et d'Ortolani à la recherche du signe de Rousseau qui est un signe d'instabilité, d'accord? D'instabilité. Saad qui m'attargeait, non, je me trouve une unité luxée et non réductible, d'accord? Mais la plupart du temps, à la naissance, les ligaments sont assez flasques, elles sont assez mous pour essayer de réintégrer la tête dans le cotyle. Donc, il faut chercher, je ressens ce signe de ressaut, ce craquement qui est un signe d'instabilité, d'accord? Donc, l'instabilité fait évoquer une luxation qu'il faut la confirmer par un examen, un autre examen qui est, non. Très bien, l'échographie à un mois. Gardez dans la tête l'échographie à un mois. Ramenez le clin à sémiologie de LCH. Vous gardez, très bien. Donc, le message est bien passé. L'échographie de la hanche à un mois. Pourquoi à un mois, ils ont une écho radio? Les os du bassin, la plupart d'entre eux, à 60% de tonalité hydrique. Ou le cotyle, 50% de nos hydriques. Je ne sais pas si c'est l'imbus, je ne sais pas si c'est la radio, d'accord? La tête fémorale, je ne sais pas si c'est la radio, je ne sais pas si c'est l'écho, d'accord? Donc, il faut savoir demander devant la présence. Rattachez l'indication de l'échographie, vous m'avez. On va bien qu'on arme systématiquement à tous les naissances, mais ça va être coûteux. Et l'échographie de la hanche, c'est un examen spécialisé. Il nécessite un radiologue entraîné. Pour les radiologues, le collinage moyen. Donc, il y a une limitation de ce moyen de diagnostic. La non-disponibilité de l'expert et le coût. Donc, le coût élevé d'une écho de la hanche la rend un moyen de dépistage onéreux. Mais le moyen de dépistage, c'est coûteux.
Donc, on a sélectionné, selon le protocole de l'hôpital d'enfants de Tunis, les enfants, l'LCH, l'échographie de l'ange, essentiellement dans l'hôpital d'enfants, dans les centres de radiopédiatrie et dans Kroué. Par exemple, dans le CERN, il reste le temps et il y a le ressaut. Mais sachez que sur le plan international, le moyen d'imagerie adapté et indiqué, donc c'est un examen très délicat, il faut qu'il soit entraîné, l'abdo, ou il y a une pratique courante. Même les pédiatres, ça ne me dit pas que l'indication, d'accord? Donc, mais sachez que maintenant, la conduite, c'est devant un ressaut clinique. La deuxième indication de l'échographie, je vous connais des questions d'examen, hein, la présence d'un facteur de risque. Je nomme les facteurs de risque. Voilà, ils sont des incidents familiaux et rhaj. La grossesse gemellaire, la grossesse multiple, la présentation de siège, la présentation transverse, donc la disproportion fœto-utérine. Dès qu'il y a des conditions où il y a une pression sur le fœtus, sur la hanche, on doit demander une échographie. Le gros poids, le diabète gestationnel, tatine a un gros poids, les grossesses multiples, les présentations de siège, d'accord, les trois indications, gros poids, présentation de siège, grossesse multiple. Donc, les facteurs de risque. Hein? Ouais, et là, il y a un ressaut clinique à la naissance. Donc, nous faire conduire à demander une échographie de la hanche. Allez, en fait, l'échographie de la hanche, ça a pris mot. T'as mon fille à la oulède. Je me fais entendre là, Nancy, comme ça. D'accord, sahi. L'écho de la hanche, à la khater, l'échographie voit directement les structures cartilagineuses de tout le bassin. La tête fémorale, le cotyl et le limbus. Béhi. L'échographie, c'est un examen non irradiant, mais c'est un match de rayon X, n'est pas nocif. Et il est répétitif. Une fois bien fait, il est répétitif, il est fiable. Voici l'examen clinique. Donc, il repose sur l'utilisation de la fameuse coupe frontale externe de Monsieur De Graaf. Coupe frontale externe. Voici la sonde linéaire à haute fréquence placée au niveau. Et voici la coupe idéale. C'est prendre le toit du cotyl iliaque en transversal. Le cotyl est creusé. Voici le point d'ossification du fond du cotyl en bas. Est-ce que vous voyez là? La tête fémorale doit être bien ronde sous forme d'une sphère hypoécogène, siège de ponctuation nuagée comme ça, indiquant sa structure cartilagineuse. Donc, tout ce qui est hyperécogène, Hyperécogène, c'est la corticale suivie d'un condombre. Ce qui est hypoécogène, ça, c'est du cartilage, d'accord? Regardez cette structure triangulaire qui complète, qui continue le toit. C'est le limbus fibro-cartilagineux non visible sur la radio. Donc, la tête fémorale, normalement, elle doit être centrée. Une coupe transversale passant par l'os iliaque, elle doit couper la tête fémorale en moitié. La tête fémorale doit être contenue dans le cotyl osseux. Le reste, la deuxième moitié doit être recouverte par ce qu'on appelle le limbus fibro-cartilagineux. Donc la tête, elle est couverte. حطتوا على الامبوس الكورسور لهنا ظاهر لصحابكم انتم مش ظاهره لا ما هوش ظاهر مدام مش ظاهره به لوس الياك اوريزونتال ريتوها
عرفتوها انا هو لوس الياك دونك نبداو دو كوتي دروا كيفاش نعمل باش يطلع الكورسور ما عنديش حتى فكره نبارطاجيو ليكران هو مبارطاجي ليكران بارطاجي دو كونتينو اي ها بارطاجي مبارطاجي ها اي ها هو فنيت باركورير نمشي هذا بيرو سكرين معناتها نمشي هكا ايها نحل في شيء من البيرو نعاود نحلو من هوني غادي نحاول باش نبارطاجي لكم الاولاد راهو فيه الواحد ولا تراو في الكورسور وي مدام تراو في الكورس صحيت وي ولدي محليهم الشباب توا يهبلوا دونك هذا لو سيلياك فو فوي هذا لو كوتيل او سو هذا لو فوند لو بوان دوسيفيكاسيون دو فوند دو كوتيل هذا يا لا روند لا تيت فيمورال هيبويكوجين بونكتوي دونك لا موتي دو لا تيت elle est couverte par le cotyle osseux en bas et en avant une externe elle est recouverte par ce qu'on appelle le limbus fibrocartilagineux. واضح يا ولاد؟ واضح ولا؟ Oui. Donc ça c'est une coupe anatomique, elle doit reproduire les repères anatomiques. Mais une coupe acceptable, interprétable doit contenir une aile iliaque transversale, un fond cotyloïdien, le point épiphysaire du fond cotyloïdien, et une tête fémorale bien ronde. Et donc, on a les trois repères anatomiques d'une coupe échographique interprétable. Alors, ce sont des coupes à un dixième de millimètre près, où les repères clés, ils l'image interprétable et fiable. Facilement on reconstruit une image de luxation, facilement on peut construire une image d'une hanche normale alors que la hanche elle est luxée. Donc pour cela il est très important, là je me pose la question d'examen, donc les trois repères d'une image échographique reproductible, une tête, une anos iliaque horizontale, un point épiphysaire cotyloïdien visible et une tête fémorale ronde. Sur cette tête, on doit voir une tête en place, est une tête centrée, elle est couverte à moitié par le cotyle osseux et recouverte par la deuxième moitié par le limbus fibrocartilagineux. Wava. Le limbus mouche perpendiculaire ou mouche marchoa, il contenue la couverture. Wava, laulet. Ou sabtoum lih, la distance entre le fond du cotyl et la tête l'aînée, elle ne doit pas dépasser les 4 mm. C'est une hanche normale, bien couverte, bien centrée dans le cotyl. Noislo. Donc voici une échographie de la hanche normale, reprenant qu'on a les trois repères, une tête bien ronde, un os iliaque horizontal et noyau d'ossification cotyloïdien en bas. Donc, le limbus acétabulaire recouvre la tête qui doit être bien centrée dans le cotyle. Et la distance entre la tête et le wahed l'aîné, on a 6 mm, entre 4 et 6. Madame, l'index pubien, on a sur le fond cotyloïdien. L'index pubien, on a sur le chenoua. Le fond la distance, et voilà, entre le fond du cotyloïdien et la tête. Donc, voici la différence. Une échographie d'hanche normale du côté droit, à ma droite, à droite de l'écran. Et là, une hanche luxée. Je vais faire. Je vais faire. Donc, une tête fémorale qui n'est plus couverte par l'os cotyloïdien, d'accord? Le centre de la tête, il est loin d'être au milieu du cotyloïdien, du l'os cotyloïdien ou de l'astébellum. Wava.
Haja okhra importante. La distance entre la tête et le fond de l'acétabulum, elle est très élevée, elle est évaluée à 10 mm. Haja okhra, le limbus, li qulna lehna, il est oblique et il continue la couverture de la tête. Chno sar lo houni? Wala? Éversé, ma adesh haka, wala éversé, maqchoua. Ma tête tkhrej tadrbou tadrbou tadrbou. Donc, femme éversion du limbus acétabulaire. Haja plus péjoratif. Ce limbus, ma adesh hypoécogène qui m'amaraou. Il s'est chargé de calcium, orzroulo. Voilà, hyper écogène. C'est un signe que ce limbus est versé, il va former ce qu'on appelle le néo-acétabulum. C'est la nouvelle cavité qui va abriter cette tête fémorale luxée. Où l'apparition de calcification est un signe péjoratif. On est à un stade avancé de la luxation. Éversion ou bien surcharge calcique. Donc, en fait, il s'inverse, il va se charger en calcium, il va s'apprêter à être la nouvelle cavité qui va abriter le corps, la tête fémorale. Wada? Madame? Oui, Aziz. L'index pubien, il a mis le corps à 8 mm, donc il y a 10. Donc, on a dit à partir de 6, il est pathologique, de 4 à 6. Mais il est mesuré à 10 mm. Ce cas particulier, il est 10 mm, d'accord? Et 6 ou 10 pathologiques, d'accord? D'accord. Donc, il y a ma janèche, l'âge néonatal, ma janèche à la naissance, ma janèche à un mois. Hein? Le dépistage de LCH peut se faire à l'âge de 3 mois à l'aide de Chnoa. De la radiographie. Allez, en fait, la radiographie à 3 mois. En suivant l'ossification naturelle, normalement, le point épiphysaire fémoral va être radio-visible à partir de l'âge de 3 mois. Donc, à partir de l'âge de 3 mois, on peut faire la reconstruction d'Omberdan ou Najmou Laoujou, le noyau épiphysaire. D'accord? Si on a échappé à 1 mois, on peut récupérer l'enfant à 3 mois. Bekhir meligique à l'âge de 5 ans, à l'âge de 7 ans, à l'âge de 10 ans, qui marbile. D'accord? Donc, à 3 mois, fait la consultation, on a l'examen, un signe de Rousseau, on a une égalité des plis fessiers d'un nourrissant, on doit demander une radiographie du bassin. D'accord? Et à partir de cette reconstruction d'Omberdan, on va vérifier le positionnement de la tête fémorale qui m'a ici, il est excentré dans le cadran supéro-externe. Vous êtes à Tahouni, il est luxé dans le cadran supéro-externe. Regardez cette dysplasie cotyloïdienne. Donc, l'angle léhné qui est, doit être aigu et doit être inférieur à 25 à 30, alors que dans la dysplasie cotyloïdienne, il est ouvert, il est bien supérieur à 45 degrés. Wabaha. Donc, l'emplacement du noyau épiphysaire par rapport à la reconstruction d'Omberdan et les signes de dysplasie cotyloïdienne, ZOOS, là où j'ai la radiographie du bassin. Donc, le traitement très bien connu par les cliniciens, s'il est diagnostiqué à un mois, il suffit de tenir les deux hanches en abduction par un longage, un coussin, un coussinet. Maintenant, il faut se trouver à mettre le barche à coucher, des couches, des couches, des couches. Les têtes fémorales bien centrées dans le cotyle, supérieur à 4 mois, c'est un traitement orthopédique par les et la chirurgie. Le chapitre LCH, ils ont comme tarfou les indications de dépistage, d'accord? L'indication de l'échographie, le ressaut positif et les facteurs de guérison, les repères d'une coupe échographique anatomique normale, et les signes de luxation, d'accord?
Deuxième cas. C'est un enfant de 3 ans qui consulte pour une boîterie droite. Parce qu'elle est droite, par hasard. J'ai bien compris qu'elle est droite. Alors, sachez que la luxation congénitale de hanche, narja choya les facteurs de risque, ma'rufa akthar, de quel côté, Hasbright? Droit ou à la gauche? Le gauche, allez. La présentation, le moment de l'accouchement la plus fréquente, c'est facteur la présentation oblique postérieure gauche. L'OPG, la présentation céphalique. Dans cette présentation céphalique OPG, c'est la hanche gauche qui est en contact direct avec le rachis dur de la femme. Elle est sollicitée tout le temps par le rachis. Maintenant, la hanche du bébé, elle est comprimée contre le rachis dur de la mère. Avec Ali, je dis, il faut s'acharner à chercher la luxation à gauche par la fréquence de cette présentation OPG, oblique postérieure gauche. D'accord? Qui a un gros bébé, dans cette position oblique postérieure gauche, sa hanche gauche qui est contre le rachis de la mère qui va être sollicitée tout le temps par cette pression osseuse. Elle va l'inciter à sortir. Hein. Donc là, c'est un enfant de 3 ans qui consulte pour une boiterie évoluant depuis 4 jours. L'examen clinique trouve une légère impotence fonctionnelle avec une limitation douloureuse de la hanche. Mais l'enfant, il est en bon état, il est apérétique. Et la CRP, CRP Schneier, c'est un Schnauhaus. L'inflammation de l'infection surtout, elle est normale. Il n'y a pas élévation de la CRP. Maintenant, les CRP normales sont manées. Maintenant, vous faites méchi? Une cause infectieuse, d'accord. Schnauhaus, comme il y a la CRP normale, apérétique, mais il a une hanche douloureuse. Et une boîterie. Il ne peut pas. Il ne peut pas chier, monsieur. Il y a un chien qui tire pour l'homme. Il faut chercher une fracture de jambe méconnue. Très bien. Une fracture, hein? Ou elle? Synovite aiguë. Très bien. Voilà, appelée. Synovite transitoire aiguë, hein? Je n'ai pas synovite transitoire aiguë. Ada Esmer Marou. Rhume, le rhume de la hanche, hein? Osteoarthrite. Osteoarthrite, CRP normal, c'est choix, apéritique l'enfant. Osteoarthrite. Donc, dans ce cas, arthrite, qui est arthrite, la mobilisation douloureuse de l'articulation fait penser à l'arthrite, d'accord? Dans tout cas, dans ce cas. La radio qu'on a pour éliminer une fracture, haja okra. Arthrite ou synovite, chnoïsme dans notre beau. L'échographie, très bien, à la recherche de quoi l'écho? Épanchement intra-articulaire, sahito ou chnoïr? Pour le tout, quel met synovite? Chnoïn là où je joue, à côté de l'épanchement. Épaississement de la synovia. Épaississement et inflammation. De la synoviale, là, je me l'ai aujourd'hui à l'éco-doppler. Wavah, sahi. Donc, le rhume de hanche, lié synovite aiguë transitoire, mais il doit être un diagnostic d'élimination. Ils ont un nahi ou les diagnostics, khaybin el-kol, famta, pour retenir les rhumes de hanche. L'ostéochondrite primitive de la hanche, voilà, appelée maladie de l'Ekpertes-Calvé. L'ostéochondrite, quand on a fait, quand il y a apérexie, il y a CRP négatif. Donc, le premier examen à demander, qu'on a la radiographie du bassin et de la hanche de face, de profil, et l'échographie et la recherche des pansements synovites. Donc, voici une radiographie du bassin à incidence de Lovenstein, je chauffe bien la tête fémorale. Ah, je vois qu'on fait les têtes, boum. Bien en place ou elle est.
Donc, les têtes épiphysaires sont bien symétriques. La femme est en retard d'ossification d'une tête par rapport à l'autre. Le cutil, il est bien creusé des deux côtés. Donc, la femme est une luxation déjà. Ou leur densité, elle est homogène. La femme a j'ouvre l'échographie, d'accord? Voici son échographie. Échographie, je n'en vois les flèches, elle est là. Un épanchement, un échogène transsonore. Ça, c'est une coupe échographique longitudinale. Le col fémoral, d'accord? Vous avez l'épanchement. L'épanchement, il est noir, il est transsonore. Regardez ça. L'épanchement est délimité par une synoviale. Ah, il y a une synoviale. La synoviale, elle est bien épaisse, mais cet épaississement, il est bien régulier. Du tout, hein, à nous tracer au crayon. Ça met irrégularité. Donc, il y a un épanchement anéchogène intra-articulaire, il y a une synoviale épaissie, mais elle est régulière. Donc, le diagnostic retenu ici, CLP négatif, atteinte articulaire maujouda, il y a l'épanchement maujoud, donc c'est bel et bien, il y a une... Un rhume d'ange, le diagnostic différentiel, c'est une osteoarthrite infectieuse. Dans ce cas, CRP doit être positif. Et le CRP élevé, on doit faire schnoa pour apporter le diagnostic étiologique. Une ponction articulaire. Très bien, une ponction intra-articulaire qui peut être guidée par l'échographie. Wava. Bref, dar zakit comment? Donc, la conduite quand même, la ponction articulaire, le rhume d'ange, on a, doit être un diagnostic d'élimination, éliminer surtout une arthrite septique et l'échographie non spécifique, elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas montrer la nature de l'épanchement. Le diagnostic différentiel qu'on a parlé, c'est l'ostéochondrite primitive ou ostéonécrose de la tête. Hein? Donc, dans ce cas, dans cette pathologie, l'échographie, elle est normale. Sur la radiographie du bassin, il faut chercher les signes radiologiques. Sachez que les signes radiologiques, ils sont différents en fonction de l'évolution de la maladie et en fonction du stade de la maladie. L'ostéonécrose, c'est la nécrose aseptique. Qu'il y a une rupture ou une ischémie pour une cause indéterminée. Maintenant, l'éthiopathogénie, elle est très discutée. Une origine immunologique. C'est une ischémie vasculaire. C'est micro-traumatisme répété. Elle est post-atteinte virale. Donc, il faut chercher les différents signes radiologiques. On va chercher la nécrose céphalique. C'est la nécrose de le sous-chondral. À un stade ultérieur, on va voir l'ostéocondensation autour de la nécrose osseuse. Puis, on va voir une fragmentation du noyau. Et puis, un remodelage et une reconstruction. Voici les stades. Voici. Akahira. Oui, merci. D'accord. Donc, le stade 0 ou le stade de la nécrose de l'os cortical, regardez cette image d'œuf décortiqué. Donc, c'est une image de dissection de l'os sous-chondral. Il y a séparation de cette couche-là, de l'os sous-chondral du reste de l'épiphyse. C'est une image en coup d'angle qui m'a l'œuf décortiqué. Donc, ça, c'est le premier stade. C'est une image très subtile qu'il faut savoir la rechercher.
par ce profil de Löwenstein. Béhi. Un stade ultérieur, c'était une fois il y a une ischémie de la tête, y avoir une condensation de l'épiphyse. Donc, c'est une pathologie essentiellement épiphysaire, ischémique, d'origine X, immunologique, vasculaire, traumatique, donc un stade de début, c'est la nécrose ou la dissection sous-chondrale, aspect au coup d'angle ou à la d'œuf décortiqué, et puis condensation, aspect irrégulier et condensé. Regardez, même le volume, il est inférieur à l'épiphyse contralatéral. Il y a condensation, aplatissement et aspect irrégulier du noyau épiphysaire. Aplatissement, condensation et irrégularité. Le troisième stade, c'est la fragmentation. Une épiphyse aplatie, hétérogène et condensé et fragmenté. Et puis un stade 4, le stade de remodelage de toute la tête. Elle est déformée, mais une tête sphérique avec des phénomènes de reconstruction osseuse. Donc, la luxation congénitale, l'ostionécrose, en passant par l'arthrite aseptique ou le rhume d'ange transitoire, la quatrième pathologie, l'infectieuse, l'arthrite septique ou l'épiphysiolyse, d'accord? Garçon de 13 ans, qui se plaint de douleurs au niveau inguinal droit de la racine du membre, avec boiterie permanente. L'enfant avait un petit surpoids, minchouai, évoluant depuis 2 semaines et exagéré, c'est une douleur mécanique, exagérée en fin de journée et surtout après la séance de sport. Donc c'est une douleur mécanique. Wava. Donc, l'examen clinique trouve une limitation. La hanche n'est pas libre. L'ostéoarthrite, l'articulation, elle est libre. Qui n'a pas une limitation de l'articulation, la hanche n'est pas libre. Donc, il y a une pathologie intra-articulaire. Donc, il y a une limitation douloureuse en rotation interne de la hanche droite qui est en flexion. L'enfant, il est apéritique. Qui jibou ou pas de sport, je crois, le médecin de première ligne, c'est une tendinite. Madame, c'est une douleur mécanique en fin de pratique de sport. C'est une tendinite ou un sous anti-inflammatoire. Mais après 2 mois, persistance de la douleur et de l'impotence. D'accord? Je n'en ai pas, dans tout cas. Dans ce cas, quelle est tendinite, elle est farade. Le repos, tu vas être l'anti-inflammatoire. Je suis là, je suis là. Scanner. Notre bout radio. Scanner. Tu es là, tu es là, tu es là. L'examen de première intention, l'examen le plus disponible, le plus simple et le plus en osteoarticulaire. La radio, c'est la plus pourvoyeuse d'éléments sémiologiques. Béhi. À ne pas, mais ne jouons pas avec vous, mais notre bouche, le radio, notre scanner, tout. Rien que pour éliminer les traumatismes, les causes traumatiques, les fractures, d'accord? Donc, le diagnostic de tendinite, il ne peut pas être retenu, car il y a persistance malgré le traitement anti-inflammatoire. Quel diagnostic a évoqué? 13 ans, contre comme surpoids ou douleur mécanique ou l'ange, je me l'épiphysiolyse, voilà l'ostéonécrose, l'épiphysiolyse B. Donc, le diagnostic de tendinite a été remis en cause vu l'absence d'amélioration. Ta famille, c'est preuve thérapeutique. Ouaba.
Donc, soit l'épiphysiolyse de la hanche, soit une lésion évolutive. À cet âge-là, il faut penser à éliminer une cause tumorale. Surtout dans l'âge, dans le sarcome d'Ewing. Le sarcome d'Ewing fait les ceintures pelviennes, d'accord? Le chondrosarcome ou le sarcome d'Ewing. Il faut les garder toujours en tête. Avec Arishis et Nastam, on utilise des radiographies de première cause pour éliminer les causes graves. Soit les tumeurs malignes, soit les fractures. Mais les tumeurs osseuses, en particulier malignes, à cet âge-là. Donc, NEPDEO, belle radiographie du bassin et radiographie de la hanche droite, face et de profil. Ah, il y a la radiographie interne. Ouais, je ne vois pas, on fait la radio du bassin. Et il face ou le profil. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette radio? راني عاونكم donc sur le clocher de face la tête fémorale elle est bien ronde elle semble être en place هكا ولا et en traçant la ligne sama de Klein hein, donc la ligne de Klein doit couper la partie supérieure de l'épiphyse هكا ولا. Elle a coupé une partie de l'épiphyse. Alors que sur le clocher de profil, je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Est-ce que cette épiphyse, elle est bien en place? Je serai là. Donc, cette épiphyse, elle a glissé. Elle a glissé, elle a basculé. Il y a une bascule inférieure et interne. Retour à qui va le cours, on parle glace à quel étage. Donc, regardez, il n'y a plus une congruence. L'aînée, elle est congruente. L'aînée, elle est congruente. Regardez, l'aînée. Donc, l'épiphyse, elle a bien dépassé le col. L'aînée, si on trace la ligne de Klein, la tête, elle a basculé. Il y a une bascule interne et inférieure de l'épiphyse par rapport au col fémoral. Donc, le cliché de profil montre la bascule en dedans et en arrière de l'épiphyse fémorale supérieure. Donc, devant ce bascule, ce glissement de cette épiphyse fémorale, qu'est-ce qu'on doit évoquer? Est-ce que l'ostionécrose, Riné Haouni, est-ce que femme ostionécrose, la tête, elle est bien ronde, il n'y a pas... de nécrose sous-chondrale, il n'y a pas d'aplatissement, il n'y a pas d'ostéocondensation, mais juste sur le profil, on a noté une bascule et un glissement en bas et en arrière de l'épiphyse fémorale. Donc, on est devant une épiphysiolyse de la hanche droite. Donc, retenir, la ligne de Klein est un signe inconstant, inajmico normal. Ça m'a bascule tout sur la ligne de face, ça m'a retenu. Et puis physiolyse, mais dans ce cas, tellement la bascule elle est subtile, elle est minime, elle a été juste démasquée sur le profil. Sur le face, malgré que la tête épiphysaire, la ligne de Klein, elle a coupé l'épiphyse au niveau de sa partie supérieure, mais sur le profil, il y a bel et bien une bascule de l'épiphyse fémorale. Donc, même si on a une ligne de Klein normale sur la face, il faut demander une radiographie du bassin de profil à la recherche de le glissement de l'épiphyse fémorale. C'est clair? Donc, s'il y a un glissement sur la ligne de, sur la face avec une tête qui a basculé en dedans de la ligne de Klein, vraiment le profil. Et d'avoir atteint la radio normale, il faut savoir demander ce profil pour démasquer ce glissement, ce bascule de la tête fémorale. Wawa, Rémzien a posé la question d'examen. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a parlé, tu as l'LCH à l'âge néonatal, tu as l'LCH, tu as l'arthrite ou le rhume de hanche sceptique ou la post-virale. تحدثنا على الإبيفيزيوليز وتحدثنا على السيونيكروز أسيبتيك واضح؟
باش نشوفوهم بالوحده بالوحده سولون لاج الترانش داج كيف كي فو بونسي خاطر ما نجموش اتوت اج نجبدوهم الكل باهي دونك افون 3 ans en l'absence de tout contexte infectieux chercher en premier lieu une fracture de diagnostic différentiel خاطر un enfant lorsqu'elle va se mettre à marcher à se mettre debout il nage mitih à n'importe quel يطيح في الدروج يطيح وطلع على كرسي معناتها il est hyperactif donc il est sujet à des fractures qui peuvent passer inaperçues avant 3 mois en dehors du contexte infectieux entre 3 et 10 ans cherchez toujours cette synovite transitoire ce rhume d'ange en l'absence de fièvre dit mon contexte infectieux ou c'est effectivement anormal hein? Entre 3 et 10 ans pensez à l'ostéochondrite primitive de la hanche surtout il y a des traitements corticoïdes d'accord مثلاً ولايد عنده syndrome néphrotique ويخف في كورتيكوثيرابي ولا يتخيط pour une GNA يخف في كورتيكوثيرابي وقال لك جيك pour une boiterie pensez à l'ostéonécrose d'accord de la tête fémorale en avant-tout après 10 ans surtout avec l'activité c'est ou surtout chez les enfants obèses hein, c'est l'épiphysiolyse. Devant une hanche douloureuse, qu'est-ce qu'il faut évoquer? Samahli, دقيقة, نكمل القراءة. نقرب, نكلمك بعد شوية, محمود. نقرب, نكمل juste un quart d'heure, on نكلمك. Donc, l'étiologie selon le caractère douloureux. Très bien, infectieuse. Ou les prenez un nom bilan. L'ostéochondrite. Ou l'épiphysiolyse, d'accord? Donc, boiterie douloureuse, osteomyélite ou arthrite, qui m'a appris l'infectieuse, le rhume de hanche, l'épiphysiolyse et les causes, ou l'ostéochondrite et les causes tumorales. Dis, m'a gardé en tête l'infectieuse ou tumorale hein, de l'enfant. Béhi. Une boiterie non douloureuse. L'inégalité des membres d'origine mécanique, tout le sec à tout le sec, mouche maujour, un de boîterie ou mouche maujour, t'amal ou radio télémétrique, t'as pas sec à tout le sec, même ça a un demi centimètre, il d'abîme, ça veut dire qu'à l'échelle, ça a été que le srat, comme un homme, ça bat, alam, ça bat, d'accord, pour corriger une inégalité des membres constitutionnels, d'accord, l'LCH et les maladies neuromusculaires. Les myopathies, d'accord? Donc, moi, je suis douloureuse. Douloureuse, l'épiphysiolyse, l'ostéochondrite, l'origine infectieuse ou inflammatoire et les causes tumorales. Voilà. Il y a un mieux le tableau. Gardez-le bien en tête. Kamal, en tout cas, j'ai des questions. Famille, j'ai des questions, là, Oulet. Tasma Oufeya? Allô, je suis là. C'était clair? Oui, madame. Oui. Les causes tumorales. Les causes tumorales, qu'on a parlé, les tumeurs, les osteosarcomes, les chondrosarcomes, le sarcome de Wink. D'accord? Les enfants peuvent avoir des tumeurs malignes et ils sont douloureux. Waba. Waba, madame, je suis nourrissant à Kahou, le sarcome. ليه انا حكينا عادة في à partir de 10 ans d'accord chez l'adolescent il faut penser aux tumeurs malignes واضحة inférieur à 3 ans à côté معناتها l'LCH ou quoi j'ai une égalité des membres il faut penser à la fracture dit ma garder en tête donc les radios standards les cartographies de hanche pour le dépistage de LCH l'échographie pour chercher un épanchement ou guider une ponction biopsie articulaire, d'accord? Allez, je vais te faire le boîtier, tu as un scanner ou un IRM, mais je vais te.
غادي ستاندار اكزامان كلينيك غادي ستاندار ايكوغرافي واضح لوليد واضح بيان صحيت ولا بروشين اي بون كوراج اي بون كونتينياسيون